Parlons à présent sécurité. Avec ce séjour du commissaire général de la police nationale congolaise dans le Grand Nord, le général Charles Bissengimana séjourne depuis ce jeudi à Goma. À son arrivée, il a laissé entendre qu'il s'agissait d'une mission d'inspection des troupes dans les deux provinces du Nord et Sud de Kivu. Suivez le général Charles Bissengimana sur des propos recueillis par Patrick Sialoua. Je suis comme vous et je serai aussi également dans le cadre d'une mission d'inspection des unités au cours de laquelle nous allons procéder à la réception des équipements de la police en province du Nord-Kivu et du Sud-Kivu également. Nous allons réceptionner des infrastructures qui sont construites par nos partenaires de la MONUSCO. À ce titre-là que je suis venu avec le chef de la composante police MONUSCO pour me permettre de faire non seulement une tournée d'inspection des unités, mais également entrer en possession de ces équipements et de ces infrastructures qui nous ont été construites par les partenaires qui sont MONUSCO. Les détournements ne sont pas établis, ce sont des allégations qui ont été faites par un officier de la police. Les officiers ont été rappelés à Kinshasa en consultation. Les allégations sont en train d'être vérifiées. Je crois que très prochainement, ces officiers vont vous revenir parce qu'ils sont parmi les bons officiers que vous avez au niveau du Nord qui vous manquent d'ailleurs. De la même façon que la sécurité a été assurée, nous les faisons et nous vous rassurons que la date du 19 sera comme toutes les autres dates du 19. Depuis le mois de janvier jusqu'à celui de décembre. Donc, la population doit travailler avec les forces de l'ordre et avec l'armée pour que la sécurité continue, pour que nous allions vers le développement et non pas faire des spéculations comme si les dates, c'était des dates de retour.